Je voulais faire juste une petite vidéo courte pour signaler que mes nombres de vues sont bloqués. Vous voyez, sur les nouvelles vidéos que je mets, il y en a, ils les laissent monter un peu, après ils bloquent. Et ça, ils font pas la, vous voyez, ils laissent pas le même nombre de vues pour pas se faire griller. Il y en a, ils les bloquent juste comme celle avant, là. Avant celle-là, ça fait 2-3 jours que je l'ai partagée, je crois, bref. Elle est bloquée à 37. Ça fait quelques jours, là, elle est bloquée à 37. Et en fait, j'ai remarqué les vidéos, un certain... Elle arrive à un certain nombre de vues, après hop, il la bloque définitive. Vous voyez, il y a des vidéos, je la mets, au bout de quelques jours, comme ça, 3-4 jours, il la bloque. Et il bloque le nombre de vues, vous voyez, même si elle est partagée sur d'autres plateformes et tout, le compteur est bloqué. Et elle peut rester comme ça pendant des mois et des mois, le chiffre, il dépasse pas. Vous voyez, comme les vidéos là où je parlais de la corruption en France. Le nombre là, depuis que je l'ai partagé, 1-2 jours après, ils ont bloqué le même chiffre jusqu'à aujourd'hui, 4 mois après. Vous voyez, même le vidéo que je parle de... False flag de Strasbourg. Des gens, ils disent la même chose. Vous voyez? Et il y en a, parce que moi, je parle aussi de mon expérience. Je parle de beaucoup de choses. Vous voyez? D'autres, ils parlent de la même chose. Ils font des 13 000 vues, 14 000 vues. Et moi, la mienne, au bout de 2 jours, elle est arrivée à ce 640 et là ils l'ont bloqué. C'est bon, 640. Et pour ceux qui regardent et ce qui tombe sur cette vidéo, vous voyez, vous pouvez vérifier sur n'importe quelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Des anciennes, c'est préférable les anciennes parce que les nouveaux, ils les laissent, ils les bloquent pas direct. Ils les laissent. Après, au bout de 3-4 jours, il les bloque définitivement. Vous voyez, allez plus sur les vidéos anciennes et vous allez remarquer. Mettez n'importe quelle vidéo, regardez le nombre de vues. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Actualisez la page, regardez le nombre de vues. Si ça ne bouge pas, fermez la page, ouvrez une autre page YouTube et vous verrez que c'est toujours pareil. Ou, vous voyez, regardez sur, si vous êtes connecté sur YouTube, avec votre compte, vous regardez n'importe quelle vidéo, les anciennes. Après, vous ouvrez dans, par exemple, une page YouTube sans se connecter sur Google Chrome, ou sur Safari, ou sur Firefox, n'importe quel moteur de recherche, mettez YouTube, mettez la même vidéo et regardez-la. 3-4 fois dans plusieurs moteurs de recherche et actualiser la page à chaque fois, fermer et ouvrir une autre page et vous verrez que le nombre de vues est bloqué. Moi je l'ai fait pour d'autres vidéos d'individus ciblés parce que le gang stalking c'est un crime d'état. Il est censuré, les vidéos des individus ciblés est censuré. Vous voyez, que ça soit les abonnés où, vous voyez, il bloque les nombres d'abonnés. Des fois, il lâche 2 abonnés, une par-ci, par-là, vous voyez. Moi, là, au bout de 4 mois, j'ai 83 abonnés. Au bout de 4 mois, hein, au bout de 4 mois, il y a des gens, ils ont créé leur compte. Ça fait 2-3 semaines, un mois. Ils disent de la merde. Mais je te jure, ils disent grave de la merde. Ils parlent de trucs, mais tellement banals, tellement... Vous voyez, ils ont déjà 300, 400 abonnés, 500 abonnés.
Il y en a au bout de 3 semaines, un mois, en faisant juste racontant juste de la merde. Ils ont fait 1000, ils ont 1000 abonnés, 1500 abonnés, 2000 abonnés. Ils font des vidéos, toutes leurs vidéos, c'est toujours 2K, 1K, 1K et demi, 4K. Ils parlent par exemple du false flag de Strasbourg. Et ils font 13 000, 14 000 cas. Vous voyez? À part les individus ciblés et ceux, tous ceux qui parlent du gang stalking, il y a rare les gens qui ont plus de 1000 abonnés. C'est rare. Vous voyez? Et leurs vidéos, jamais elle fait un cas. Jamais. Vous verrez tous les gens qui parlent de gang stalking, mettez sur internet, surtout dans la sphère francophone. Parce que dans la sphère anglophone, ils n'ont rien à foutre, ils laissent, vous voyez, malgré c'est censuré un peu aussi, vous voyez. Mais les gens, ils ont des 1500, 2000, 3000 abonnés, normal. Vous voyez, leurs vidéos, ils font 1K, 2K, normal, à l'aise. Vous voyez, sauf dans la sphère francophone. Et surtout ici en France. Ici en France, le gang stalking, parce que c'est soi-disant le pays des droits de l'homme, blablabla, pays des droits de rien du tout, oui, pays des droits des pédophiles, oui. Vous voyez? Et bien les individus ciblés, ils sont censurés à mort. Censurés à mort. Oh! Au bout de 4 mois, au bout de 4 mois, j'ai 83 abonnés. Avant, j'avais des chaînes YouTube que je les ai supprimées. Rarement, des fois, je partage quelques vidéos et tout. Au bout de 4-5 mois, là, j'ai déjà 5000 abonnés. Tous mes vidéos, ils faisaient, voyez, 5K, 6K, des fois 10K, voyez. Et depuis que j'ai créé cette chaîne-là où je parle de ce crime d'État, voyez, qui est le gang stalking, l'harcèlement criminel en réseau organisé, là, mes vidéos, elles sont bloquées à mort. Elles sont bloquées à mort. Des vidéos, au bout de 4 mois, il y en a, c'est 34 vues. Il y en a, c'est 37 vues. Il y en a, c'est 100. Il y en a, c'est 111. Là, depuis 4 mois, c'est 111. Vous voyez, au bout d'une semaine, deux, ils l'ont bloqué jusqu'à 111, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, des vidéos 34. Bref, et j'ai une autre chaîne. J'ai une autre chaîne où elle est censurée, vous voyez là, et vous remarquez là, c'est une preuve de plus. Ils le font à chaque fois quand je fais des vidéos comme ça. Vous voyez que la luminosité, elle augmente, elle diminue. Ils le font. C'est les pirates informatiques, les harceleurs qui y font. Ça, c'est une des nombreuses techniques, je l'ai déjà dénoncé, ils le font, vous voyez là. Ils le font à chaque fois. Et en fait, ils le font ça exprès, de un, pour m'harceler, pour deux, voilà, pour que me déconcentrer, pour que je ne dise pas ce que j'ai à dire, pour détourner mon attention, en fait, bref, voilà. Et là, au bout de 4 mois, 83 abonnés. Vous voyez, ça veut dire... Vous comptez, hein, 4 mois, ça veut dire en un mois 20 abonnés, en un mois. Chaque mois 20 abonnés. Ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment c'est censuré. Comment ces bâtards-là, ces enculés, c'est... Désolé pour ceux, j'insulte parce que ils méritent que ça. Ils méritent que ça, c'est pédophile. Vous voyez, c'est corrompu, c'est merde, c'est psychopathe, pervers, narcissique, manipulateur. Vous voyez, je suis censuré à mort. Vous
Je suis censuré, j'ai d'autres vidéos, je suis censuré dans les lives. On me censure dans les lives. On intercepte mes communications, je suis censuré, mes mails, elles arrivent jamais à destination. Rarement, on les laisse et des fois, j'ai l'impression de communiquer avec d'autres gens alors que je communique avec mes harceleurs. Ils interceptent les mails et ils répondent à la place des gens. Vous voyez? Ils interceptent mes appels. Ils interceptent tout. Ils interceptent tout. Mes nombres de vues bloqués, censurés à mort. Et vous pouvez le vérifier. Mettez n'importe quelle vidéo. Ça se peut là, c'est, je vais le dire. Ils sont très malins, vous voyez. Ils savent ce que je dis. Ils vont les lâcher. Lâcher vite fait, comme ça, vous voyez. Pour juste montrer que je dis de la merde. Vous voyez. Mais vérifiez. Vérifiez si vous tombez sur cette vidéo, même un mois après, allez sur mes anciennes vidéos et vérifiez, et vous allez constater. Voyez. Et vous constaterez qu'à chaque fois où je fais des vidéos comme ça, où je me filme, je me regarde dans la caméra, ils font la même chose. Ajouter la luminosité et diminuer, ajouter la couleur et diminuer. Ils font, vous voyez là, j'ai ma main, l'autre, je tiens avec le portable. Vous voyez, ce téléphone-là, avant, la vidéo avant celle-là, vous verrez. Le portable, ça fait un mois et 13 jours, je l'ai acheté. Vous voyez, 9 heures pour qui charge, 50%, 9 heures. Et regardez comment ils font, les bâtards. C'est des frustrés, hein? C'est des rageurs, regardez. Plus je les dénonce, plus ils le font. Vous voyez, ils sont là, ils écoutent, vous voyez, les renseignements. Ils ont avec leurs balises et tout, n'importe quel téléphone, pour eux, ça devient un mouchard. Vous voyez? Là, je suis en train de me filmer, de me parler là, et ils voient chez eux, ils voient ce que je dis, ce que je voyais, ils réagissent du tac au tac. Vous voyez? Au début, ils ont commencé vite fait à faire, là, ils le font, vous voyez? Exprès. Pour les gens qui ne savent pas et qui ne connaissent pas ces techniques, eh bien, vous verrez, téléphone tout neuf à moi. Et même que les gens qui ont des téléphones, ça fait 4 ans. Est-ce qu'une seule fois, vous, ça vous fait ça, de la luminosité, elle augmente, elle diminue tout seul? Non. Mais parce que vous n'êtes pas harcelé par le gang stalking, et par les renseignements et la police française. Vous voyez? Et c'est ça l'harcèlement. Et ça, c'est une petite partie. Moi, j'aime bien les dénoncer à chaque fois quand je fais des vidéos. Direct, quand ils commencent à augmenter, à diminuer la luminosité, direct, pour que les gens, quand ils regardent, ils voient. Et ils voient, ils se disent, oh, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, ça m'a jamais arrivé depuis que je suis harcelé par le gang stalking et par les renseignements militaires et civils français. Toujours, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça, ils font pareil pour tous les téléphones que j'utilise. Les anciens, ils m'ont détruit un PC. Celui-là, ça fait un mois et 13 jours, je l'ai. Et vous regardez, vous verrez, là, vous voyez en direct comment ils font. Bref, ça, c'est 0,0001% de leurs nombreuses techniques. Et j'ai fait, avant cette vidéo-là, vous verrez, les trucs de la batterie, ça c'est une autre technique qu'ils font aussi, vous voyez, la batterie, vous le mettez comme, je l'ai déjà partagé par d'autres téléphones, la batterie, le téléphone il est en charge, la batterie elle fait que diminuer, oh, est-ce que c'est normal? Téléphone ça fait un mois et 13 jours, je l'ai acheté, la luminosité elle augmente, elle diminue tout seul, le téléphone je le mets à 9 heures, pendant 9 heures de charge. 9 heures de charge pour charger 80%. Et de 14h43 jusqu'à 19h48 pour charger 50%, alors que le téléphone avec des preuves, vous verrez dans l'un de l'autre vidéo avant celle-là, vous verrez le jour où je l'ai acheté, je l'ai filmé, vous voyez.
Mais de toute façon, mes vidéos, elles seront censurées. De toute façon, personne ne le verra. Vous voyez, il y aura que des trolls, ils vont troller, ils vont dire de la merde. Vous voyez, bref. Sur ce, je ferai des vidéos et je continuerai à dénoncer et je les emmerde. Je les emmerde, ces pervers narcissiques. Ils l'augmentent, ils détruisent l'appareil, j'ai rien à foutre.